public à droite. Déploiement des forces marseillaises. Crochet réussi de Stojkovic. Deuxième et... de Papin. Et Staffa va ne pas mettre au corner comme une faute. Sortie de Strakosha et pénalty. Pénalty de Strakosha. Une énorme erreur de Staffa, l'arrière latéral, qui s'est fait reprendre la balle par Stojkovic. Stojkovic va tenter le dribble et va ensuite aller buter contre le gardien qui était allongé de tout son long et qui, on ne peut pas dire, faisait vraiment action de faute. Alors, au centre de Pelé, récupéré par Stojkovic. Crochet de Stojkovic, accroché par le maillot. Stojkovic, voilà, quand on la cherche... Jeu dangereux, mais le geste doit valoir le ralenti. Oh oui, va le chercher, alors que Milori était en extension. Bah, c'est bon centre de Stojkovic, mais effectivement l'arbitre ne peut pas faire autrement que de siffler. Stojkovic. Stojkovic déborde. Centre et bonne sortie de Strakosha et de l'OM. Regardez, il y a bon débordement de Stojkovic, bon centre du pied gauche. Ah, Cantona va très très haut quand même, très très haut. C'est un retombant qui touche le gardien. Strakosha qui enveloppe ses ballons, c'est vraiment un régal la souplesse de cheville. Stojkovic, oui, pour Papin, le deuxième, le voilà, le deuxième but, et c'est le doublé de Jean-Pierre. Qui a vraiment anéanti la défense de Tirana pour servir ensuite Papin. Papin qui a fait preuve de beaucoup de calme, qui attend pour ouvrir son pied, et de l'intérieur, la glisser dans le coin gauche de Strakosha. Regardez comme Stojkovic, 1, 2, 2, 4, 6. Albanais, il en a emmené 6, ce qui fait qu'il n'en reste plus qu'un et le gardien. Il vise toujours la caméra, Papa, à chaque fois. Pour notre plaisir. Ouais. Ah. Stojkovic qui embarque, qui déborde, qui passe, qui centre. Et Cantona qui tente. Berthuis, Stojkovic pour Cantona, non, il n'est pas en jeu, il donne à Papin, oh là là, au collectif, et Papin ne va pas marquer, si, ça va, il y a l'assist de Stojkovic. Le centre de Stojkovic est contré, mais Stojkovic a encore le ballon. Il centre à nouveau et amorti, but, voilà le cinquième, il est signé Berthuis. Et il est encore plus beau qu'aurait été celui marqué par Papin sur la passe de Cantona. Il fait ça, lui, à 3 mètres du but. Bon, il aurait mis la tête s'il y avait eu 0-0. Hein. Mais là, amorti de la poitrine et volé. Quelle élégance, quelle vista. Stojkovic avait levé la tête. Il a vu Philippe Berthuis seul au deuxième poteau. Encore fallait-il réussir. On frappe ce coup franc. Stojkovic le frappe dans le mur. Reprend gauche, non, donne sur le côté gauche. Berthuis qui s'engouffre, Berthuis qui centre, non. Passe appuyé, Strakosha intervient et on va...